Hey, salut les gars, ici Vauban du 69 et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. Il s'agit de la première vidéo de grille de programme de l'année 2019. Donc je voulais vous souhaiter à tous d'abord une très bonne année 2019, une très bonne santé pour tous et toutes. Donc j'espère que tous les vos projets se réaliseront. Allez, on passe directement à la thématique. Donc cette thématique comportera 4 points. Le premier point, ce sera du Warframe avec Steve intérieur. Deuxième point, les jeux tendances sur la chaîne. Troisième point, les prochains jeux. Quatrième point, les remerciements. Donc le premier point, donc Warframe, qu'est-ce qu'il y aura en 2019 sur la chaîne? Sur la chaîne, il y aura, comme d'habitude, des builds. Ça, on n'arrêtera pas, on continuera. Des trailers. Ça non plus, on continue. Parce que sincèrement, je prends un plaisir à les faire. C'est sublime. J'adore. Les quêtes. Comme d'habitude, chaque nouvelle quête qui sort, elle sera filmée. Presque, sauf le prologue chimère que là, j'ai eu un petit souci technique. J'ai pas pu. Et Warframe Theory. Qu'est-ce que Warframe Theory? Ce sont des théories que nous élaborons. Nous élaborons avec Reaper. Puis après, avec vous dans les commentaires. Sur le futur du jeu. On se base déjà sur le passé. Parce que nous sommes là depuis quand même quelques années, moi ça fait déjà plus de 4 ans, 4 ans, 4 ans et demi. On se passe aussi de maintenant, et en ayant vu le passé et le maintenant, on se base dans le futur. Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est intéressant, je trouve que c'est une série qui est plutôt très intéressante, donc il demande pas mal d'imagination. Donc si vous en avez si vous avez même des thèmes pour les Warframe Theory, n'hésitez pas, mettez-y en commentaire. Je les prendrai, j'ai noterai bien entendu sur un cahier pour ne pas les oublier, parce que c'est très facile d'oublier. Donc voilà. Et aussi, petite parallèle sur Warframe, une série qui est en cours depuis à peu près 2 ans, je crois, quelque chose près, s'appelle Rumba des Boss. Donc tous les boss du jeu, donc il en reste encore quelques-uns. Quelques-uns à vite fait, je crois que c'est le Triodolon et les araignées sur Fortuna. Je crois que c'est à peu près tout en termes de boss qui resterait à faire. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le point sur Warframe. Deuxième point, les jeux tendances actuels sur la chaîne. Enfin, les deux jeux, c'est Ori and the Blind Forest et Assassin's Creed Odyssey. Donc, pour Assassin's Creed Odyssey, donc, vous pouvez voir que les vidéos datent quand même un petit moment. Je les ai tournées en avance. C'était volontaire. Déjà pour les trailers, pour me faire gagner du temps. Ensuite, ne vous inquiétez pas, cette série, je vous la ferai en entier. Enfin, en entier. La quête principale, vous l'aurez en entier. Pour les... comment ça s'appelle j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle? Ce sont les... je vais appeler ça des quêtes annexes, là, qu'ils rajoutent les... j'ai oublié le nom. Bref, ça me reviendra peut-être après. Je ne pense pas les faire en vidéo. Genre, la quête principale, c'est déjà. Les autres, les quêtes... ça, c'est chiant, ça. Je me rappelle plus du tout. Bref, vous les aurez, je ne pense pas les faire sur la chaîne. Les quêtes. Oui, si, la quête pour les filles d'Artemis, là, pour battre les animaux mythiques, je pense les faire en live. Ce sera nettement plus intéressant pour tout le monde. Bon, je vous le ferai en live. Donc, en même temps, je papillonnerai parce que c'est une habitude chez moi. Que je vois un petit point, un point sur la map, j'y vais. Voilà. Voilà pour Assassin's Creed Odyssey. Maintenant pour Ori, nous arrivons à terme de la série. Il doit rester, 3, je crois, 3-4 épisodes. C'est tout ce qui doit rester à quelque chose près. Donc c'est un jeu, sincèrement, que je recommande à tout le monde. Il est magnifique, il est beau, la musique est belle, les histoires sont jolies, c'est tout. Voilà, il est super. Note, si je dois lui mettre sur, une note sur 20, je lui mets 19. 19 sur 20, tellement il est beau. 20, c'est pas mettre 20, c'est la 20, c'est la perfection. La perfection n'existe pas. Donc voilà, sincèrement, ce jeu, je vous le recommande à tous. Je vous le trouvez sur Steam, là, je crois que c'est toujours le cas. Il y a 20 €, il y a Ori and the Blind Forest, l'édition normale, et l'édition définitive. Voilà, donc le prochain jeu qui pourra avoir s'agit de Ori. Non, c'est Ori and the Wisp. Ori. Ah, attendez, je vais chercher.
Je l'avais. Je ne l'ai plus. Ah là, je l'ai. Ori and the Will of the Wisp. Voilà. Un peu plus compliqué à prononcer. Pour ça que je l'ai pas en tête. Ori and the Will of the Wisp. Je l'avais marqué quelque part. Mais je l'ai plus. J'ai plus de papier. Je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. J'ai vu quelques extraits, sincèrement. Il a l'air d'être extra lui aussi. Waouh. Donc je crois que ça peut pas le seul jeu, puis il y a d'autres jeux qui sont plutôt pas mal sur Steam ou sur Bull Bundle ou sur d'autres. Je verrai s'il y en a des jeux qui sont très intéressants. Je vous les ferai en vidéo. Ensuite, quatrième et dernier point, les remerciements. Donc je fais un gros remerciement à Monsieur Chan67, personne que je côtoie depuis à peu près 2 ans maintenant, 2 ans, 2 ans et demi. Personne qui est superbe. Reaper Umbra, merci à toi pour Reaper pour les thématiques, les miniatures, les idées que tu me donnes tout le temps. Evil Shadow et Silvercraft, c'est la même chose. Qui d'autre encore? À Chronos, à je sais plus qui, à Momo, à Cast, à je sais même plus qui, je peux encore dire à Noctis, qui est son pseudonyme sur YouTube, c'est Okai200. Silver et Shadow, si vous ne les connaissez pas, ce sont des partenaires FR. Ils ont une chaîne YouTube, là c'est Silver et Shadow, et ils ont une chaîne Twitch si vous voulez regarder leur live. Voilà, pub en même temps. Hein. Puis il y a tous ceux que je n'ai pas cités, encore, je me rappelle tous les noms, il y en a tellement des noms. Puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. Là-dessus sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Discord, c'est tout marqué dans la description. Donc voilà, chaque fois j'oublie de vous le dire, ça a tout marqué dans la description. Le Discord, si vous voulez le savoir, je vous le dis à l'oral, c'est Vauban du 6-9. Puis les amis, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous dis encore une chose, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Warframe. Sincèrement, je n'ai pas d'idée. Pour le moment, ce sera peut-être le trailer, ce sera peut-être une autre vidéo, peut-être un build. On verra bien. Sur ce, amis, salut, 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 salut!